Alors, je m'appelle Traoré Kabiné, né le 10 août 1988 à Conakry, fils de Bamba et de Danger Keïta. Et j'ai commencé mes études primaires à partir de 1995 au groupe scolaire d'Adama Tonkara. J'ai obtenu mon CP en 2001, BEPC en 2005 et l'examen d'entrée, le baccalauréat en 2008. Et je me suis spécialisé en ressources humaines, plus précisément sociologie, développement communautaire. Et après cela, à partir de 2010, je suis venu en Côte d'Ivoire poursuivre mes études. Dans le cadre encore d'être au service du continent africain, je me suis spécialisé en sciences politiques, plus précisément en département communication, relations internationales. Et après cela, j'ai poursuivi ma formation en s'inscrivant naturellement en master en études de développement, option développement communautaire. Et après cela, j'ai eu des stages au programme des Nations Unies pour le développement et le stage à la valeur Zénith FM de Makori. Et après cela, j'ai été vice-président de l'ASCI de 2015 en 2017. À partir de 2017-2019, j'étais le président de l'Association des élèves étudiants guinéens en Côte d'Ivoire. À la même année 2017, je suis le vice-président de l'ONG panafricain Elite West Africa. Et cela veut dire qu'aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire dans le cadre du représentant du cabinet HEC et groupe international qui forme le cadre et manager des différentes banques et services dans le cadre du coaching. Et je suis le représentant permanent de cette structure, de ce cabinet en République de Guinée-Conakry. Parcours professionnel, il faut dire que durant mon passage au programme des Nations Unies pour le développement, on a eu la possibilité, pour ne pas dire cette sagesse, de faire des stages au programme des Nations Unies. On a fait un peu le tour de la Côte d'Ivoire en termes de dialogue socio-sécuritaire pour parler bien sûr comment nous pourrions aider la population ivoirienne de rendre efficacement les armes détenues dans la main des civils et des militaires et en cela pour favoriser la réconciliation nationale. Et en plus de cela, en termes aussi de l'apport, de mon apport en Côte d'Ivoire, j'ai eu la sagesse quand même de contribuer pas mal avec des émissions radio, des émissions télé pour sensibiliser la jeunesse africaine, non seulement pour l'intégration, en même temps de ne pas attendre l'apport du gouvernement pour notre insertion socio-professionnelle. Parce que je me suis dit que l'un des éléments moteurs pour notre insertion socio-professionnelle résiderait non seulement dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, parce qu'on a des capacités à nous, on a des potentialités à nous, pour mettre cela en œuvre, tout le monde attend le gouvernement. Et nous tous, nous pouvons commencer et l'État peut venir en appui pour nous accompagner dans nos différentes initiatives. C'est pourquoi j'exhorte à toute la jeunesse ouest-africaine, toute la jeunesse africaine en particulier, de dire que notre salut résiderait de nous battre et de se mettre au travail et le gouvernement viendra appuyer notre œuvre que nous avions commencée. Et chacun de nous, j'aime beaucoup cette phrase de John Kennedy qui dit ceci, au lieu de se poser la question qu'est-ce que le pays a fait pour nous, nous devons se dire que qu'est-ce que j'ai pu apporter à mon pays. C'est cette phrase-là que j'ai dit que c'est vraiment intéressant pour nous, la jeunesse consciente, la nouvelle génération, d'apporter un fruit, un plus à notre développement qui est un développement endogène pour l'Afrique. Alors, il faut dire que chacun de nous a un rôle à jouer, chacun de nous doit jouer sa partition parce que si tout le monde doit attendre l'État, l'État ne vient qu'en pompier par rapport à ce que nous avons mis en œuvre comme étant initiative. C'est pourquoi chaque jeunesse ouest-africaine a l'obligation morale de mettre en avant. Parce que moi, quand j'ai été en Guinée, j'ai été frappé, j'ai été sidéré par le comportement parce que la jeunesse guinéenne en a soif, la jeunesse guinéenne en a besoin pour la formation de qualité. Alors, ce faisant, mais si disent que puisque j'ai été formé à l'ambassade des États-Unis d'Amérique dans le cas développement personnel, leadership transformationnel et puis art oratoire, j'ai fait le diagnostic et tout le monde attendait qu'on lance un recrutement au niveau de la fonction publique. Mais ils disent qu'il est très intéressant de dire d'abord à la jeunesse guinéenne pour dire que pourquoi ne pas travailler d'abord sur nos qualités. Et premier élément, j'ai écrit d'abord un projet, le titre s'était intitulé « Comment partir de ce que nous sommes et devenir ce que nous voulons être ». Alors ce faisant, il y avait des thématiques sous-jacentes que j'ai développées, à savoir la confiance en soi, comment avoir la confiance en soi et comment sortir de la boucle de victimisation
et en même temps le principe de succès. Parce que comme le disent les Américains, on ne peut pas monter l'échelle du succès avec la main au dos. Cela veut dire quoi? Cela veut tout simplement, nous pourrions passer des étapes, nous pourrions baliser des obstacles, comme le dit le plus souvent, si les écailles ventrales d'un serpent sont plus grosses que celles du dos, parce qu'elles sont en difficulté. Nous avions cette capacité de faire le dépassement et de manière délibérément, nous pourrions continuer efficacement à apporter un élan plus ou moins accru pour le développement de notre cher pays qui est la Guinée. Pourquoi pas aussi le continent africain et rendre ce service à l'humanité. Développement personnel, c'est cette capacité que nous avions en nous, c'est cette manière de penser et que nous pourrions penser à notre développement personnel. C'est-à-dire ce qui est bon, ce qui est propre à nous, et cela peut être déterminé par rapport à notre valeur intrinsèque. Développement personnel, vous parlez comme Oscar. On ne peut rien dire de vous ce que vous n'avez pas en vous. Plus loin, Mahatma Gandhi l'avait dit, au lieu de faire 100 fois le tour du monde, il faut faire d'abord une fois le tour de soi-même. Et plus, pour renseigner davantage, Socrate en ajoute que connais-toi toi-même. Avant de connaître d'abord les autres, il faut d'abord se connaître d'abord soi-même. Et en cela, tu pourras servir véritablement et efficacement le reste de l'humanité. J'en appelle solennellement la jeunesse ouest-africaine au travail. J'en appelle solennellement la jeunesse ouest-africaine au sérieux. J'en appelle solennellement la jeunesse africaine au patriotisme. Tous ces éléments mis ensemble pourront donner un élément moteur, non seulement de contribuer efficacement, de travailler, de mettre un poste, c'est-à-dire de se donner la main, de montrer à l'ensemble des communautés, à l'ensemble des différents peuples, à l'ensemble des différentes civilisations, pour dire que certes, les patronymes de différents noms peuvent faire la différence, mais une chose est sûre que nous avons le même sang qui circule dans le même corps. Parce que si nous prenons, nous faisons la différence. C'est pourquoi j'aime beaucoup la chanson de Salif Keïta, l'international musicien malien. La vie sera belle parce que nous devons respecter la différence. Quand on respectera la différence, il y aura moins de problèmes. Tu es blanc, il faudrait que nous vivions ensemble. Tu es noir, il faudrait que nous vivions ensemble. Parce que c'est ça que résidera notre salut. Et notre salut résidera tout simplement parce que aimons-nous les uns les autres et aimons-nous pendant que nous sommes vivants. Et la vie sera belle et ça comptera toujours être belle. Et nous allons procéder à un développement harmonieux, à un développement vraiment spectaculaire que tout le monde pourra apprécier au vu du continent africain. C'était un plaisir pour moi de vous parler de tous ces mots. Je vous remercie et à plus.